Je m'appelle Sarah Ménard. Mon chum Jonathan et moi, on vient de s'acheter la maison de nos rêves. Sam, c'était moins grand que ça quand on a visité. À cause de la lumière. Il y avait des meubles. Non, j'ai vraiment hâte qu'on commence les rénaux. J'ai un petit coup à donner, là, puis après ça, living the dream, est-ce que... C'est mon ami Val. Les autres, il fallait que je change la tuyauterie en plomb, parce que ça, c'est super poison, moi. La dernière nouvelle, elle se prostituait à Kingston. Fait que... Watch out, tes petits rénaux, là. Hey, ça marcherait, ce modèle-là? Ben oui, il vaut plus cher que mon char. Chris, c'est bien facile quand t'as de l'argent, hein? Tout est beau. Mais justement, Steve, il coûte rien. Puis tant qu'à ouvrir les murs, aussi bien changer la tuyauterie, c'est tout en plomb, celui-là. Je sais pas c'est qui l'imbécile qui vous a installé ça, mais la trappe d'aération est pas connectée avec l'extérieur. Mais le plâtre, tu pourrais le faire toi-même, vous sauveriez là-dessus. Toi, c'est faire du plâtre? T'es moyennement compétent, bien ordinaire. Tu sais, Joe, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, mais c'est quand même un bon goût, là. Vous dormez encore dans le salon? Chris, t'es même pas capable de visser une porte d'armoire dans le bon sens, sacrament! Tu joues encore avec des épées en mousse. T'es capable de devenir un homme? T'as pourquoi on a décidé d'acheter cette maison-là? C'est comme si tout ce que je faisais, c'était un petit C'est une beauté intemporelle. Tu pourrais être sur une peinture qu'on accroche dans le musée. En tout cas, moi, je t'accrocherais sur mon mur n'importe quand. Notre ferme, ta crise de gueule. On a 30 000 pieds à cadette! Hey! C'est un tire-lait, t'as des petits mamelons. Hein? Ouais, tu dis ça dans tout le monde. Hey! Ah! C'est un système capitaliste pourri. Tout ça sur le bord de sauter. Puis le verre, c'est avec l'air de la chance. Comme ça qu'on voit jamais le bout avec les amis. Vous devriez vous inscrire à Déco à Gogo. Ça vous coûterait pas une scène, puis tu passerais à TV. Si le beau Jean-François va venir driller partout dans la chambre! Sarah, tu connais notre homme à tout faire, le beau Jean-François. Ouais, je pensais qu'il était gay. Mais non, il est pas gay. Moi, je suis sûr qu'il faut non-stop. Ah, trois enfants. Ah, ben non, il faut plus.